Alors Youss, 1-1, résultat satisfaisant quand même? Non, satisfaisant, enfin c'est une des meilleures équipes africaines. On le savait, on a joué 4 fois contre eux, on n'a jamais gagné, mais aujourd'hui on a montré un beau visage. Après, comme toujours avec nous, le Congo, il y a des nouveaux, il faut les adapter, il faut qu'ils s'adaptent aussi aux jeux africains. Et aujourd'hui, ils ont bien répondu. On a vu Botaka qui a marqué, on a vu Nsakala qui a fait une bonne performance, Bolasie toujours. Et des jeunes comme Kamavok et Tokouzouzi, ils ont eu leur chance. Donc moi, je suis content. Je suis très content. Après, de voir les supporters congolais avec autant d'engouement, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ça. Ça fait du bien de savoir que notre troisième place à la CAN ramène autant d'engouement. C'est bien de jouer des matchs comme ça, j'espère qu'il y aura beaucoup. Et puis j'espère qu'il y aura encore plus de monde qui va venir en sélection. Confiant pour dimanche? Non, bien sûr qu'on est confiant pour dimanche. Après, on ne va pas se cacher, on ne va pas dire que non, on part comme challenger. On a fini troisième de la CAN 2015. Donc voilà, on ne va pas se cacher. Maintenant, si on pouvait déjà commencer à gagner chez nous, ce serait super important. Et après, on va voir si on peut faire 18 points comme l'a fait l'Algérie, comme l'a fait les grandes nations. Maintenant, il faut savoir qu'on est aussi une grande nation du football. Le Congo est une grande nation du football. Donc voilà, il va falloir accepter et il va falloir répondre présent sur le terrain, tout simplement. Léopard à commune à Kanda. Ouais, Léopard à commune à Kanda depuis Cannes. Tu as vu que tu es à Kanda, donc voilà. Maintenant, il faut tout soit, je ne sais pas comment ils s'appellent les gens du Madagascar, mais avec le respect quand même, on va bien préparer ce match-là parce que en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. On voit le Cap Vert, on voit les équipes comme la Zambie, on voit plein de petites équipes qu'on disait avant petites qui font des bonnes choses. Donc on va bien se préparer, on va les prendre vraiment au sérieux. Et puis on va gagner ce match-là parce que c'est chez nous. C'est un premier match pour les qualifications de la CAN 2017, donc on va gagner.